Donc, mettre mal à l'aise. Bonsoir, je suis tout connecté depuis environ une heure au plus tard, nous commençons mon travail. Mon visage dit que tout déroule correctement et il déroule d'une façon, d'une ambiance très cordiale. Et tous les hauts gradés de la police, ils trouvent que l'honorable Reza Isaac, il donne tout détail ce qu'il vous a donné dans le cadre de l'enquête. Pareil, il collabore pleinement avec la police et qu'on vit, dire, c'est un. Quelque chose qui vous besoin continuer demain et qu'on finit demain de la nouvelle déclaration pour mon besoin lors de cette affaire. Et donc, qu'est-ce qu'une retenue pour jusqu'à présent? Non, à présent, non. À présent, ce qu'il peut faire, c'est qu'il reste l'honorable Reza Isaac et donne sa version des faits avec détail. Et tout détail, point important. Et du point de côté chronologie des événements qui est important. Et comme on connaît, il y a plusieurs acteurs, notamment une cité, actrice, une cité dedans. Et laisse-y finir tout. Et après ça, nous ne pas faire commentaire. Donc voilà, et collaboration continue. Demain, très tôt, nous allons commencer. Nous espérons. Quelle heure environ? Nous pour là, à partir de 8h30, mais au plus tard, sûrement 9h, nous commencer. Et nous pensons, nous, pour bien terminer et avant une heure, pour permettre à l'honorable Djouma, à l'honorable Reza Isaac Al-Djouma. Maître Van Hayden, donc nous connaissons un petit peu l'ampleur de ça qui est ça qui est pour l'international. National. Le fait qu'il y ait au client, après au request, qu'il y ait une Kodak patient, les vaisseaux qui l'aillent pas sur la case, est-ce que vous pensez que ça est capable d'influence sur l'entourage, surtout du monde qui est cité dans cette enquête-là? Non, pas bien du tout. Et on va trouver toutes les affaires publiques alors. Toutes les affaires publiques et si certaines affaires, ben, je vous en laisse pour mettre le radio demain. Voilà. Merci. Okay. Merci. Merci. Bonne nuit. Voilà. Est-ce que vous démissionnez comme PPS? L'enquête n'est même pas finie. Est-ce que vous prenez l'engagement si une CNP m'a pas critiqué? Est-ce que vous démissionnez? Oui, oui, est-ce que vous démissionnez? Est-ce que vous démissionnez? Est-ce que vous démissionnez comme PPS, monsieur Reza Isaac? Quand demain, l'enquête est terminée, vous voyez qu'il y a une action qui prend, là, nous vous décidez. Mais moi, mon contrat est un homme d'honneur. Si il y a une charge provisoire, est-ce que vous pouvez. Mais laisse demain, moi, pas un avocat, ça, pour que vous avez. Je vais faire un message pour un mandat. Je vous demande, il y a beaucoup de messages de solidarité. Je vous remercie les autres beaucoup. Je crois dans la prière. Reza, est-ce qu'il ne peut pas prendre aucune décision politique? Non, qu'il a fait. C'est sur Reza, est-ce qu'il step down comme PPS ou pas? Non, mais je suis un avocat. Est-ce que l'enquête est terminée? Et après, là, vous êtes un coup pour un avocat qui se demande? Demain. Pensez demain. Vous vous connaissez, non? Donc demain, nous pouvons fixer. Est-ce qu'il connaît une démission ou pas, deux ou pas? C'est pressé pour moi, les autres. Hein? Non. Comme ça, les autres. Les journalistes, non? Là, là, on retourne dans la presse. Sérieux. Peux-tu dire où tu prends l'engagement sur Radio Plus si éventuellement le prix m'a spécifié? Oui, moi, non. Bon, laissez pas quoi. Pas encore arrivé, là, non? Quand arrivé. Allez. Donc voilà. Mais tu traites nous animaux. Mais tu peux traiter nous des animaux, tout bon journaliste. Qu'est-ce que vous pensez, Laura? Est-ce que tu connais dans quel contexte?